Il n'y a jamais eu de contrat de bail. Le bailleur ne connaît pas son droit ici. Le bailleur sait que s'il a un problème avec toi, il va venir fermer ta porte, il va écrire sur ta porte à louer. Non, parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Le contrat de bail définit les termes de location d'un loyer. Logeur et locataire sont liés par ce contrat qui peut être écrit ou verbal, comme il en est généralement le cas en République du Congo. Nombreux sont les Congolais qui ignorent les contours de ce contrat, dans lequel sont définies les modalités d'un préavis lorsqu'un logeur, pour des raisons d'insolvabilité, juge bon de l'expulsion de son locataire ou quand ce dernier décide volontairement de libérer le loyer pour diverses raisons. Maître Anissé Balou apporte quelques précisions à cet effet. Là aussi, nous avons beaucoup de soucis, la question de préavis. Les locataires pensent être seuls à avoir le droit de préavis. Le préavis est réciproque. Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous voulez sortir un locataire parce qu'il est insolvable, parce qu'il a violé le contrat de location, vous lui adressez un préavis. Il est de 3 mois pour les personnes civiles, c'est-à-dire pour les baux civils. Mais pour les baux commerciaux, il est de 6 mois. Civil, entendu comme tout le monde, les militaires y compris. Or, qu'est-ce que nous constatons en pratique? Quelqu'un vient louer ta maison, 2 mois après, il dit « Ah ben moi, je sors pour moi ». Ah bon? Mais il me faut, premièrement, avant même le préavis, il faut respecter le bail. Vous vous êtes entendu, vous louez une maison, quand on fait un bail civil, louer une maison, comme on dit ordinairement, c'est le minimum de la durée d'un bail est de 6 mois. Et de, qu'est-ce que je dis? De 1 année réductible. Par contre, si vous faites un bail commercial, là c'est 3 ans. Maintenant, si tu es resté là pendant 1 année, tu veux sortir 3 mois avant la fin d'une année, tu avises le bailleur de ce que tu entends, parce qu'il y a telle ou telle raison, résilier le contrat. De même, le bailleur, ou autrement dit le propriétaire, qui veut, pour une raison ou une autre, libérer un locataire, il avertit 3 mois avant la fin du contrat. Et ce que je dis, c'est valable même pour les baux non écrits, c'est-à-dire les parties qui n'ont pas fait un contrat écrit eux-mêmes sous seing privé ou bien devant un notaire. La vulgarisation de la loi immobilière par les professionnels du droit aiderait sans doute à dissiper les malentendus qui naissent souvent entre logeurs et locataires sur des questions de logement au Congo.